Bonjour, bonsoir à tous. On va attendre peut-être encore un tout petit peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent et nous allons commencer le cours. Très bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je suis content de vous retrouver et on va commencer directement finalement avec la première question et j'aimerais savoir s'il vous plaît, à votre avis, quel est votre niveau? Allez, écrivez-moi une petite phrase, essayez de me dire à votre avis quel est votre niveau. Alors, en attendant que les personnes m'écrivent et répondent à ma question, quel est votre niveau? Ben, je vais dire bonsoir ou bonjour à tout le monde. Donc, Naira, Saksham, Mysend, Andy Best, Soso ou Josso, Michel Rémy est là, Amaama est là, Monica Bing est là, W. John est là. Eve Adam est là, Yvette Samara est là, Anas est là, mon Dieu, Save the Best for the Last est là, ça fait plaisir. Amina est là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Brikida qui est là aussi, Daria qui est là, Anthem qui est là, Alberta, mon Dieu, il y a beaucoup de monde, Irène est là aussi, Annabelle est là. Très bien, ben allez-y, j'attends un petit peu de voir. Ah tiens, Julia est en Sicile. Bonjour Julia. Victoria nous dit, je ne sais pas quel est mon niveau, mais je crois intermédiaire. Félicitations Victoria, vous avez très bien progressé. Monica Bing qui nous dit, mon niveau est B1. Daria qui pense que son niveau est A2. D'accord, c'est juste pour savoir. Doc ou Duc, pardon, Nguyen qui nous dit bonjour tout le monde, bonjour. Suzy Cornell qui nous dit je pense que mon niveau est A2. D'accord, très bien. Rosaline, bonjour. Alors, Anas, mon niveau est toujours incomplet car je suis toujours en train de l'améliorer. Ouais, faites attention, Anas, l'améliorer. L apostrophe, et puis vous mettez juste l'infinitif. Améliorer. Abir est là aussi. Tiens, ça fait plaisir, Abir. Non, Abir qui nous dit mon niveau est A2. Mais absolument pas. Absolument pas. Non, 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 non. Mais on a toujours tendance à considérer que son niveau est probablement inférieur. Annie, bonjour, tu me manques beaucoup. Ben oui, j'étais obligé de faire une pause. Excusez-moi. Je n'avais plus d'énergie. Mouche, mouche 3 est là aussi. A2 probablement. Finzark est là, youpi, A0 Finzark, mais oui, bien sûr. Ça fait plaisir de vous retrouver, tiens. Allez, on y va. Dites-moi, s'il vous plaît, où est-ce que vous avez appris le français? Une petite phrase, ok, s'il vous plaît, ce serait très gentil.
Alors, Tenzin nous rejoint. Bonjour Tenzin. Allez, Tenzin, écrivez-moi une petite phrase pour me dire où vous avez appris le français. Alors, Monica Bing, la question est sur l'écran, d'accord? Regardez, où avez-vous appris le français? C'est ça la question. Alors, Abir qui nous dit, j'apprends le français à l'Institut français dans mon pays, d'accord? Très bien. Ensuite, alors quelqu'un qui me dit, bonjour, mon niveau intermédiaire, B1, B2, très bien. B2, c'est quand même plus qu'intermédiaire, hein. Alors, Anas qui nous dit qu'il a appris à l'école car le français est la deuxième langue au Maroc. C'est vrai, c'est vrai. Mouche Mouche nous dit lycée. Mouche Mouche, il faut faire des phrases. Vous savez que j'aime bien les phrases. Ça me ferait plaisir. Widad nous rejoint. Bonjour Widad. Écrivez-nous, s'il vous plaît, une phrase pour nous dire où vous avez appris le français. Idéalement au passé composé. Annabelle Nouvelle qui nous dit j'ai appris le français à l'Alliance française de Melbourne. D'accord. Ensuite, Daria, j'ai appris le français moi-même. Très bien, mais écoutez, félicitations, Daria. Alors, Annibille, j'ai appris sur YouTube, dans YouTube. C'est toujours compliqué les choses. Julia, j'ai appris le français dans le bus. C'est vrai, c'est possible, on peut l'apprendre n'importe où. Tenzin, quel temps fait-il aujourd'hui? Je suis tibétain. Merci monsieur pour votre leçon. Je ne sais pas quel temps fait-il chez vous. Monica Bing, j'apprends à l'Alliance de Delhi. Ouais. Monica, n'oubliez pas le de, la préposition. Victoria, à l'école quand j'étais jeune. Maintenant, à YouTube avec vous. Ouais. Faites attention, Victoria, j'étais, souvenez-vous, c'est AIS, première personne. Arki Toon, j'ai appris le français sur YouTube, d'accord. Suzy, j'apprends le français par moi-même. À Johannesburg, faites attention, Suzy, avec la préposition, c'est à pour les villes, d'accord. I just called, bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver tous. Oui, Dad, j'ai appris le français à l'école, d'accord. J'apprends toujours le français en ligne, d'accord. Et puis j'apprends le français au lycée, nous dit Save the Best. J'ai appris à l'Institut français de Beyrouth, mais j'habite à Marseille, ça fait 5 mois. Marseille, formidable ville que j'adore. Mon prof est français, très bien, Annie, c'est bien. Finzark, j'ai appris le français en ligne, très bien. Alors, Nelson nous a rejoint. Bonjour Nelson, ça fait plaisir de vous revoir aussi. James, alors, qui nous dit à l'Alliance française, très bien. James qui nous dit qu'il a appris avec Duolingo, très bien. Ben, j'imagine que c'est efficace. James, faudrait que. Est-ce que vous pensez que Duolingo, c'est bien pour la grammaire? Ça, je ne sais pas. C'est juste une question très générale. Hein. C'est parce que ça m'intéresse de savoir votre opinion. En plus, alors, Anten qui dit sur YouTube, très bien, aux études. Allez, à vous la parole avec la question qui est là et regardez, qu'est-ce que vous avez fait avant notre cours? Une petite phrase, s'il vous plaît. Thank you.
nous sommes d'accord que j'aimerais voir du passé composé, hein, si c'est possible. Alors, Shostak, Irina, c'est la première à nous dire « J'ai déjeuné ». Très bien. Comme vous avez les accents, n'oubliez pas le premier accent, enfin l'accent sur le premier « e », d'accord ?« Déjeuner », accent aigu. Julia qui nous dit « Avant le cours, j'ai visité Marseille et Nice ». Marseille, c'est un petite face de Sicile, je vais dire. Une, qu'est-ce que vous voulez dire avec fils ? Une petite fille ? Ah, fils ! Une petite fille, peut-être, si on pense que c'est une ville de Sicile. D'accord, très bien. Ensuite, je cherche le travail dans mon domaine. Faites attention, domaine, c'est masculin. Mon domaine, qui est le stylisme de chaussures. Waouh, ça, c'est super sympathique. Le stylisme des chaussures. Ben écoutez, à mon avis, c'est peut-être pas une bonne période, mais de toute façon, il y aura de la demande. Victoria qui nous dit « J'ai étudié toute la journée avec vos vidéos et phrases ». D'accord, Victoria. Mais quel, Victoria, c'était Madrid, non ? Quelle est la situation à Madrid ? Est-ce que je croyais que c'était mieux, non ? Alors, Winter Heavens qui nous dit « Je travaille ». Ouais. Alors, vous pouvez mettre au présent, si vous connaissez le passé composé, vous pouvez essayer aussi « J'ai travaillé hein. ». Abir, j'ai écouté de la musique. Très bien. Nelson, avant votre cours, j'ai fait la sieste. Ouais, faites attention, Nelson. Sieste, c'est avec un S. S-I-E-S-T-E, Nelson. Daria qui nous dit « Avant notre cours, j'ai déjeuné. J'ai eu deux cours d'anglais. J'ai lu un livre en anglais. J'ai écouté de la musique. » Ouais, écouté de la musique, Daria. « Et appris quelques nouvelles expressions. » Faites attention, Daria, parce que « expression », c'est féminin. Donc, l'adjectif, ce sera « nouvelle ». V-E-L-L-E-S. D'accord ? Alors, ensuite, Irène Bradley qui nous dit « J'ai été avec le déjeuner et regardé la TV avant le cours. » Ouais. Vous utilisez plutôt « j'ai déjeuné ». Tout simplement le verbe « déjeuner » au passé composé. « J'ai déjeuné et regardé la TV avant le cours. » Tenzin, je apprends le français avec mon professeur Vincent, avec plaisir. J'habite à Paris, en France, c'est vrai, vous êtes à Paris, ben, très bien. Essayez peut-être de mettre du passé composé la prochaine fois. Suzy, j'ai fait une promenade avec... Ouais, faites attention Suzy, famille c'est féminin, d'accord ? Donc vous allez dire ma famille dans la montagne, d'accord ? Mouche Mouche qui nous dit j'ai fait des exercices de grammaire. Félicitations, et ça c'est très courageux, la grammaire en été. James, j'ai lu dans le jardin avant cette leçon. Ben, j'espère qu'il fait beau dans votre jardin. RJ qui nous dit « Je regarde la télévision ». Ouais, RJ, idéalement, vous mettez au passé composé. Hein. « J'ai regardé la télévision ». Alors ensuite, Arkitoun, « J'ai regardé beaucoup de vidéos sur votre chaîne YouTube ». Je parle bien anglais, très bien. Anas qui nous dit « J'étais en train de manger et j'ai eu la notification de votre vidéo d'Eric. J'ai essayé, attention Anas, essayé avec un accent, hein, pas ER, de finir rapidement pour vous rejoindre. I just called, j'étais au travail ». Quelqu'un qui est courageux, ça fait plaisir. Meronteka, je suis allé à l'école de dessin, très bien. Oui, Dad, j'ai regardé un film en français. Annabelle Nouvelle, j'étais allé me coucher. Donc ça veut dire que vous vous êtes réveillé. Mais c'est pas raisonnable, Annabelle. Il faut dormir. Bouchan qui nous dit, j'ai fait le ménage. J'avais lavé mes linges et les étendus. Ouais, faites attention, étendre, c'est... étendu, T-E-N, il n'y a pas de I. Monica Bing, j'ai couru, et save the best, je suis revenu de la mer. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Ali, à vous la parole, regardez une phrase pour décrire cette photo, s'il vous plaît.
Alors, je regarde parce qu'il y avait des personnes qui avaient répondu à la question précédente. Alors, attendez une seconde. Je dois regarder. Oui. Voilà. C'était Atta qui disait j'ai couru. Après Irina qui disait j'avais fait la cuisine quand j'ai vu votre cours de français. Alors c'est magnifique parce que Irina voulait montrer et vous avez bien utilisé le plus que parfait et le passé composé. Donc là c'est très très bien. Deux enfants. Alors donc l'âme Ricardo qui commence à nous dire deux enfants qui sont en train d'étudier. Oui, c'est très très bien. Souvenez-vous que deux enfants, donc oui, comme vous l'avez mis, ça doit être au pluriel, et donc tout est parfait. Boucham Kumar qui dit étendu, oui, comme ça, c'est la bonne forme. Hein. Julia, donc il écrit un secret et elle la lit. Ouais. Si vous dites il écrit, en fait, il faut vraiment le mettre avec un T, IT, d'accord? Pas le S, parce que le S, ça va être pour je et pour tu. Et puis secret, en fait, c'est masculin, le mot. Un, donc pas de E, et secret, pas de E à la fin. Et elle la lit avec un T. Dites-moi si vous avez aimé Nice, parce que vous avez dit que vous avez aimé Marseille, mais qu'est-ce que vous avez pensé de Nice? Ensuite, Monica Bing, dans cette photo, ouais, photo c'est au féminin, donc 7, CETTE. Les enfants lisent le journal. D'accord, très bien pour le verbe, en tout cas, vous l'avez bien mis. Alors attendez, c'est toujours compliqué pour suivre. Ensuite, Pedro Tarafa qui nous dit bonjour, I'm learning French with. Oh, nice to meet you, Pedro. We're trying to make an exercise now, Pedro. If you want to look at the picture and then try to write a sentence in French to describe it. Okay? You don't need to make a long sentence, but a short one. Try to make it. Thank you, Irina. Les enfants. Oui, faites attention, Irina. Les enfants sont en train d'écrire une lettre. Et puis Père Noël. Alors, A, le, ça va devenir O. Hein. Les enfants sont en train d'écrire une lettre au Père Noël. Ensuite, j'ai fait le ménage et maintenant, je fais un peu de sport. On continue le programme. Alors, Abir, je vois deux enfants qui étudient. C'est parfait, Abir. Irène, il y a deux filles qui sont en train de faire. Ouais, en général, Irène, on ne dit pas le devoir, mais on dit plutôt au pluriel les devoirs. Mais c'est parfait, hein. La phrase, elle est très très bien. James, deux enfants étudient. Ouais, James, il faudrait conjuguer votre verbe. Hein. Étudie, INT. Hein, vous allez le conjuguer à la troisième personne du pluriel. Anas qui nous dit deux filles qui sont en train de lire et d'écrire. Ouais, faites attention, Anas. En train, c'est pas un seul mot. Hein. C'est d'abord en, en, espace, train, train. D'accord? Mais la phrase, elle est très très bien. Suzy, les enfants sont assis trop près. C'est vrai. Vous savez, Suzy, c'est une photo de avant la crise. Mais c'est vrai, ils sont trop près maintenant. Nelson, les enfants, ils écrivent leurs devoirs, d'accord. Alors vous pouvez le mettre comme ça. Comme j'avais dit, devoir, Nelson, en général, c'est pluriel. Donc leur, LEURS, devoir avec un S à la fin. Winter Heavens, elle est en train de dessiner. Ouais. Oui, si vous dites, et l'autre regarde, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois, je vois. Ah, ça y est, je suis perdu. Alors, voilà, Daria, sur cette photo, on voit deux petites filles. L'une, Daria, mettez le féminin. L'une, elle, UNE, pardon, le féminin, de ces petites filles ou de ces filles, est en train d'écrire quelque chose. Et l'autre, l'autre regarde sur une feuille de papier très attentivement. Ouais, et même chose ici, Daria, mettez au féminin pluriel. Elles sont,
E-L-L-E-S. Elles sont vraiment concentrées. Ouais, ça c'est formidable. Victoria, donc, ils sont deux amis. Ouais, est-ce que c'est des filles ou est-ce qu'il y a un petit garçon à votre avis? Si ce sont des filles, on devrait mettre elles, d'accord? Et puis amis IES. Ouida, deux filles apprennent à écrire, d'accord. Finzark, les enfants discutent des problèmes de la vie, probablement. C'est possible, Finzark. Ils font ses devoirs. Alors faites attention, ils font, ou elles font, si on considère que ce sont deux filles, leurs devoirs. Le sujet est pluriel et devoir est pluriel. Donc leur, L-E-U-R-S. Save the best. La fille blonde écrit et sa sœur lit. Très bien. Finzark, il écrit un testament pour. Pour qui? Ah, pour leur mère. Ouais, il faut mettre leur au pluriel et mère au pluriel, si elles ont deux mères différentes. Les garçons écrivent leurs devoirs. Ouais. Nelson, c'est pas nécessaire de mettre son. D'accord? Les garçons écrivent leurs devoirs. Après, vous pensez que c'est des garçons ou des filles, ça c'est pas, c'est comme vous voulez. Est-ce qu'il est vrai, alors Anas qui nous dit, est-ce qu'il est vrai que les accents sont enlevés dans le français? Notre maîtresse nous a dit ça. Pas vraiment, mais ça dépend quels accents, Anas. Les accents circonflexes, si ce n'est pas nécessaire, on peut les enlever, oui. Ensuite, Mouche Mouche, je vois deux enfants, un enfant a les cheveux blonds. Attention, hein. A les cheveux blonds, Mouche Mouche. Et l'autre a les cheveux marrons. Le premier enfant tient un crayon. Ouais, tient, T-E-I-N-T, Mouche Mouche. Et montre quelque chose à l'autre enfant. D'accord. Jeannette, les enfants s'amusent à écrire leur prénom. Bickert, bonjour à tous. Ben bonjour Bickert, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben écoutez, tout va bien apparemment. Ben on peut continuer. Alors, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle de la mer en parlant de marmelade. Alors, une petite minute, quelqu'un rentre chez moi. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, nous allons faire des nombres, comme d'habitude, comme nous avions eu l'occasion de faire avant. Je vais dicter des nombres et vous allez écrire ces nombres. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je vais les dicter trois fois. Une fois rapide et peut-être deux fois normale. Attention, nous commençons. 328. 328. 328. Allez-y, écrivez.
Alors, je remarque que tout est clair et qu'effectivement, c'était 328. Alors, attendez, je vais vous l'écrire ici, mais c'est juste pour la forme, parce que tout était clair. Alors, Julia qui dit, est-ce que vous avez rencontré Ashley à Genève? Mais non! Je suis arrivé et je crois qu'il était parti juste avant. Donc, nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir, malheureusement. Ça aurait été avec plaisir. Allez, on y va pour le prochain. Donc, je vais le faire un petit peu plus difficile, celui-là, bien sûr. Tenez, on va faire comme ça. Et on y va. Alors, attendez, je vais l'écrire comme ça. Ce sera plus simple. 4591. 4591. 4591. Allez-y, écrivez et nous verrons si vous avez bien entendu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Effectivement, tout le monde, alors presque tout le monde, il y a quelques personnes qui sont à côté, mais quand même, vous avez vraiment fait des progrès pendant la petite pause que nous avons eue. Donc, c'était 4591. Voilà. Alors, Finzar qui veut nous impressionner. Bon, qu'il l'écrit, alors 4591. Ouais, attention Finzark pour le 4. Regardez, 4, c'est Q-U-A-T-R-E. Ok, 4000. Mais sinon, c'est bien, hein, 591. Ouais. Mouche-mouche, c'est bien. So-so, c'est bien. Daria, faites attention, c'était 4500, c'était pas 600. Bickert, faites attention, c'était pas 4781. Vous voyez qu'il y a une petite différence. Alors effectivement, c'est toujours, ça fait peur, hein, toujours les... Allez, j'en fais encore un. Bon, on va rester comme ça dans les milliers, comme ça, ce sera plus simple. J'espère que vous êtes prêts. On va le faire tout de suite. 9729. 9729, 9729. Alors, c'est Meronteka qui est en première position et qui nous donne effectivement la bonne solution. Je regarde après. I just called. Faites attention, c'était 9000. Attendez, je vais vous l'écrire, comme ça ce sera plus facile. 9729. Alors, Super Julius, c'est bien. Amira, c'est bien aussi. Julia, il manque juste un point. C'est pas 28, c'est 29. Nelson, c'est bien. Victoria, c'est bien. Talita, c'est parfait. Irène, Wyrene, c'est très bien. Monica Bing, c'est très bien. Alors, Finzar qui veut continuer. 9729. Oui. Alors, Rawesh, 9729. Oui. Alors, ensuite, Irina. D'accord. Irena, vous êtes toujours sur le niveau, je pense. Alors, ensuite, save the best. Oui. C'était le 20, le 29 que vous avez manqué. Alors, Bickert, c'était bien. Daria, c'est bien aussi, effectivement. Et Maniche, c'est bien. Oui. J'avais vu Marois. Je ne sais pas si Marois est toujours là. Mais Marois, j'avais vu que vous aviez mis un bon.
Une bonne version en tout cas. Et nous nous souvenons que vous n'aimiez pas beaucoup les numéros, si ma mémoire est bonne. Allez, tenez, on va continuer avec ça, si c'est possible. Attendez. Ok, question-réponse. Avez-vous déjà pris des vacances cette année? Est-ce que vous avez déjà pris des vacances cette année? Une petite phrase pour me répondre. Merci. Alors, les réponses commencent à arriver. Widad qui nous dit malheureusement non. Alors, eh ben oui, c'est terrible. Alors, attendez, malheureux. Ouais, il manque juste, Widad, un U après votre E dans re, R-E-U. D'accord? Alors, Irina qui nous parle de sa situation, mais je pense qu'Irina, elle est pas synchronisée. Il faudrait rafraîchir votre page, Irina. Monica, non, je n'ai pas pris de vacances cette année. Faites attention, on va mettre le de quand on met la négation, souvenez-vous. J'ai pris des vacances, mais la forme négative, je n'ai pas pris de, D-E, vacances. D'accord? Julia qui nous dit, j'ai pris des vacances, c'est le contraire, là c'est des vacances, en février, et je suis allée, ouais, à Madère. En général, quand c'est des îles, on utilise la préposition à. Alors, James qui nous dit non. Ensuite, Lame Ricardo, si on comprend tout ce que vous parlez, quel niveau de français vous pensez on a? Je dois obtenir le certificat B2. Oui, je pense que B2, c'est à peu près ce niveau-là. Ricardo, c'est une grande discussion, hein. B2, il est difficile, mais il est possible. Nelson, non, je prendrai, on va le mettre au futur, hein, Nelson. Je prendrai, P-R-E, attendez, P-R-E-N-D-R-A-I, le pluriel. J'avais une absence. Super Julius, j'ai pris des vacances cette année. Ben, très très bien, j'ai déjà pris. Victoria, je ne suis pas allée encore, j'attends pour aller à Paris en octobre. Ouais, Victoria, octobre avec un O, hein, T-O, to-to-to, octobre. Daria, à cause de la situation en Ukraine et autour du monde, j'ai été obligée d'annuler. Ouais, des apostrophes, hein, Daria. D'annuler mes vacances cette année, mais je profite du temps de l'été chez moi chaque jour. Est-ce qu'il fait beau alors? Vous avez un beau temps, Daria? Irène ou Irene, cette année, je toujours apprends et travaille. Il n'y a pas de temps pour les vacances. Waouh, ben là, félicitations, ça travaille. Alors, Maniche, je n'ai pas, d'accord, j'imagine, pris de vacances. Tachi qui dit non. Finzark qui dit non et Finzark est triste, ça se voit sur son petit personnage. Méron, oui, je suis allé en Bretagne pendant 10 jours. Ouais, Méron, on va mettre la préposition en Bretagne, EN. Parce que Bretagne, en fait, c'est féminin, la Bretagne.
Et c'est bien parce que la Bretagne, c'est vraiment formidable. J'adore la Bretagne. Suzy, non, je voudrais aller à la plage, s'il vous plaît. Oui, Suzy, avec un masque. Avec, si c'est possible, si c'est pas possible, il faut pas aller à la plage. Amira, oui, j'ai pris de longues vacances à cause du corona. Pedro Tarafa, d'accord, qui ne met pas de mots. Et Irina, actuellement, je suis en vacances et je reste chez moi. En tout cas, c'est très très bien écrit. Allez, nous continuons avec les verbes. Et voilà, ça va être assez facile, j'espère. Le verbe parler, passé composé, forme négative, je, elle et il. Allez-y, écrivez-moi toutes les formes, s'il vous plaît. Alors, je regarde vos formes. Pour l'instant, Monica Bing avait donné une bonne forme. Je n'ai pas parlé, c'est bien. James, vous avez mis au présent. J'avais demandé le passé composé, si c'est possible. Monica, vous continuez. Elle n'a pas parlé, d'accord. Alors, Ténéforme Franklin nous dit, elle a parlé, ils ont parlé, d'accord. J'aurais voulu la forme négative, si c'était possible. Bickert, je n'ai pas parlé, c'est bien. Julia, je n'ai pas parlé, elle n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé, c'est parfait. Monica qui donne la dernière partie, ils n'ont pas parlé, d'accord. Alors Daria, je n'ai pas parlé, d'accord Daria. Victoria, c'est parfait, ouais. Alors Irene, je n'ai pas parlé, c'est bien, elle n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé. Ouais, n'oubliez pas les accents, hein. Elle n'a pas parlé, Irene, vous mettez un accent. Amira ou Ahmed, je n'ai pas parlé. Très bien, elle n'a pas parlé, ils n'ont pas parlé. C'est bien. Bickert, c'est bien conjugué. Ténéforme Franklin, donc là vous avez mis la bonne forme, c'est parfait. Widad, c'est bien aussi. Abir, bah, écoutez, c'est parfait. Et Widad, vous avez mis pour. Ouais. Faites attention, Widad, là, pour les accents. Accent aigu, hein, c'est dans l'autre sens. Allez, ça continue avec un verbe du deuxième groupe. Et c'est le verbe finir. Même chose, passé composé, forme négative, s'il vous plaît. Attention, Finzark, pour votre forme. Il, non, 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 pas parlé. C'est avec un N, c'est pas avec un M. Salem qui nous rejoint. Bonjour, Salem, vous pouvez participer et faire l'exercice. Save the best. Oui, c'était bien écrit. Nelson. Attention, Nelson. Négation des verbes composés. Je n'ai pas. Le pas arrive juste après avoir. Hein. Je n'ai pas parlé. Elle n'a pas. Pas parler, ils n'ont pas parlé. D'accord, ça c'est ça la particularité
de la négation dans les verbes composés en français. Alors, maniche, c'est bien. Faites attention avec les accents, maniche, si vous avez les accents. Ensuite, alors, téneforme qui commence avec finir. Je n'ai pas fini, d'accord. Elle n'a pas fini, ils n'ont pas fini. Très bien. Souvenez-vous, hein, donc finir, c'est fini. Fini. Pour le participe passé. Donc normalement, ce n'est pas très difficile. Monica Bing, c'est bien. Julia, faites attention, il n'y a pas de S à fini. C'est vraiment I, juste I. Et ça, c'est tous les verbes du deuxième groupe. Hein. Les verbes qui sont en IR du deuxième groupe, le participe passé, ce sera I. Je n'ai pas fini. Je regarde. Amira Ahmed, c'est bien. Merenteka, c'est parfait. Alors, Daria, ouais, c'est bien. Irene, pas de problème. Bickert, faites attention, Bickert, c'est pas avec un T fini, hein. C'est fini, Fini. D'accord. Widad, c'est bien, oui. Victoria, c'était bien aussi. Ils n'ont pas fini, parfait. Alors, Bansal ou Irmansu nous dit je ne finis pas. Faites attention, ce serait le passé composé que je vous demande. I just called, je n'ai pas fini. Elle n'a pas fini, ils n'ont pas fini, c'est bien. Arkistoun, ouais, c'est bien aussi. Save the best. Attention, save the best. Je n'ai pas fini. Regardez les autres formes. La plupart avaient bien mis ça. Donc, vous devez mettre le ne et le pas avant et après avoir. Je n'ai pas fini. Elle n'a pas fini. Ils n'ont pas fini. Très bien. Et Salem, bah écoutez, Salem, il n'y a pas de problème. Oui, faites attention, Salem, c'est juste, si, juste la position de pas. Hein. Je n'ai pas fini, Salem, d'accord? Allez, troisième groupe, le verbe prendre. La même chose. Alors, effectivement, la question, c'est de savoir quel est le participe passé de prendre. Julia pose la question, pris comme ça. Alors, non, en fait, c'est PRIS. Donc, ici, il y a un S, troisième groupe. C'est un groupe un petit peu particulier. Vous savez, apprendre, appris, prendre, pris, comprendre, compris, surprendre, surpris. Etc. La position, c'est toujours la même. Donc, Amira, c'est bien, je n'ai pas appris. Donc, c'était parfait. Wadid, c'était bien. Meron, c'est bon aussi. Bickert. Là, j'ai l'impression que tout le monde, je regarde, hein, tout le monde est assez bien. La musique est intimidante, mais je l'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle est sympathique. Salem, c'est bien. Habir, c'est parfait aussi. Victoria, ouais, c'est très très bien. Bah écoutez, là, tout le monde est bien. Hein? Suzy aussi, c'est parfait. Alors regardez, ce sera le dernier pour la conjugaison. Donc là, c'est le verbe aller. Passé composé, forme négative. Faites attention, le verbe aller, il est un petit peu spécial. Je vais mettre, n'ayez pas peur, je mets la même musique pour continuer. Thank you.
Alors, nous sommes d'accord que je voulais juste voir si vous vous souveniez du fait que le verbe aller se conjugue avec être. D'accord? Donc, pour les temps composés, on va utiliser être. Donc, Julia, c'est bon. Merenteka, c'est bien. Je ne suis pas allé. Hein? Et comme vous mettez être, vous allez mettre à la fin du participe passé le féminin, si c'est féminin, le pluriel, si c'est pluriel, et le féminin pluriel, si c'est féminin pluriel. Salem, c'est bien aussi. Amira Ahmed, c'est bien, qui met toutes les options avec les S et le féminin. Save the best, c'est parfait. Ouais. Attention, save the best. Ils ne sont pas allés avec un S, allés, hein, le pluriel. Arkitoun, je regarde. Ouais, c'est bien, save the best. Ah, ok. Vous avez rajouté ça. Daria, ouais, Daria, c'est bien. D'accord, donc peut-être vous n'avez pas les accents sur le. Votre clavier. Victoria, ouais. Alors Victoria, comme c'est le féminin, oui, donc je, hein, si c'est vous qui écrivez, vous mettez le féminin. Bickert, c'est bien aussi. Finzark, pas de problème. Bah écoutez, apparemment, tout semble clair. Je regarde Bickert, c'était d'accord. Suzy, ouais, faites attention, Suzy. Comme j'ai expliqué, Suzy, vous allez utiliser être pour le conjuguer, donc pour le passé composé, là. Je ne suis, d'accord, au présent, hein, je ne suis pas allé. D'accord? Je ne suis pas allé, elle n'est pas allé et ils ne sont pas allés. Donc c'est juste le verbe qu'il faut changer. May one, c'est la même chose. Faites attention, c'est avec être et pas avoir. Je ne suis pas allé. Très bien. Et attendez, allez. Juste pour terminer, voilà. Encore une photo. Ce sera la dernière chose que je vais vous demander pour nos retrouvailles. Ah, oh, c'était super. S'il vous plaît, une petite phrase pour décrire cette photo, s'il vous plaît. Et puis, je vais choisir plutôt du jazz. Alors, en attendant que... Ah non, il y a quelqu'un qui vient d'écrire quelque chose. Donc, Almas Ezen qui dit cap ou pas cap. D'accord. Bon, c'est une phrase très courte, mais très sympathique et très bien en fonction du contexte. Alors, Suzy, les enfants jouent dans le parc. Ouais, parc, c'est féminin. Suzy, et puis joue, idéalement, vous conjuguez le verbe. D'accord? Donc vous allez mettre au pluriel J-O-U-E-N-T. Widad, ils s'amusent ensemble. Widad, parfait. Ça, il n'y a pas d'erreur et c'est très bien.
Arkitun, il embrassera ton ami, il va embrasser ton ami. Donc vous adaptez le futur simple et le futur proche. Merci Arkitun, c'était très très bien en tout cas. Victoria qui dit c'est une belle photo, ils sont très contents. Bah oui, oui, oui. Louis, les enfants qui ont le bonheur. Alors Louis, en général, on va utiliser plutôt être, les enfants qui sont, et après on va mettre l'adjectif heureux, des enfants qui sont heureux, d'accord ? Amira Ahmed qui dit, ils font la bise. Oui, Finzark qui dit, Qu'est-ce que ça veut dire, Finzark ? Alors, Bickert, je vois, ouais, alors je vois les montagnes, pas de préposition. Montagne avec un S, il y a des enfants, il veut, V-E-U-T, un petit, il veut donner un petit bisou à la fille, ils s'amusent ensemble. Julia qui dit c'est à la montagne, effectivement. Monica qui nous dit le garçon va en faisant valoir. Je ne comprends pas, Monica Bing, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, si vous voulez expliquer. Irène, le garçon va offrir une bise à la fille. D'accord. James, les enfants marchent. Ouais, vous conjuguez le verbe, James, marche. M-A-R-C-H-E-N-T. Marche dans le parc. Ou s'amuse, d'accord. Daria, il y a deux enfants adorables, une fille et un garçon. Ils s'amusent, la fille porte une robe noire et un garçon, et le garçon porte une chemise et un pantalon. Ce garçon veut, ouais, embrasser, Daria, pas la forme pronominale, veut embrasser cette fille. Et là, c'était parfait, Daria. Félicitations. Félicitations. Bah, écoutez, voilà, merci beaucoup. C'était notre premier cours après la pause. C'était très agréable. Demain, c'est exactement à la même heure. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à demain. Au revoir.